Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Bélier. On va aller voir les énergies des deux prochaines semaines à partir du 17. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors Capricorne, certes, vous n'êtes pas un signe de feu, mais vous êtes un signe de mode fixe comme les Béliers. Donc autant vous dire que cette pleine lune vous impacte directement. Quand je parle d'impact, ce n'est pas forcément de manière négative, mais ce qui se passe pendant ces deux prochaines semaines est en lien avec la pleine lune. Alors donc les Capricornes, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Merci à l'avance pour votre écoute. Et si la vidéo vous parle, vous aide, vous plaît, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Merci infiniment à tous les Capricornes qui le font. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe afin justement de lâcher prise, de s'apaiser ou d'être rassuré. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, sachez qu'en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi le lien de mon Instagram en commentaire et en story. Tous les soirs, vous avez l'horoscope du lendemain pour les 12 signes astro. Allez, c'est parti Capricorne, on peut y aller et on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Et on va aller voir justement l'énergie de cette pleine lune pour vous. Allez, c'est parti Capricorne. Alors, on a deux cartes les amis, on va aller les prendre tout de suite. Et nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie et on a la carte jardin du chemin du temple, pardon. Alors moi je pars du principe les Capricornes que cet homme qui tient une pièce de monnaie c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et de ce que je vois en fait les Capricornes, c'est qu'en ce moment vous êtes beaucoup focalisé sur l'argent, sur le matériel et ce qui vous déconnecte un petit peu de votre voie spirituelle. Hein, c'est possible. Après, bon, chacun a ses raisons, hein, bien évidemment. Mais je ne pense pas que vous êtes très, en ce moment, focalisé sur le développement spirituel, sur votre travail, sur des choses comme ça. Parce que bah, vous avez des choses à régler, certainement, au niveau financier ou au niveau professionnel. D'accord ? Donc, c'est comme si, en fait, finalement, vous déviez actuellement de votre chemin. Vous accordez plus d'importance aux possessions, aux acquisitions de biens matériels, financières, etc., etc. Maintenant, je ne sais pas si c'est malsain ou je ne sais pas si au contraire c'est normal parce que ben, ça nous arrive à tous, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une déconnexion spirituelle en ce moment. Allez, on va voir maintenant avec les saisons de la sorcière, l'énergie supplémentaire. Peut-être aussi que vous êtes, on en a deux, on va en prendre qu'une seule, peut-être aussi que vous êtes déconnecté de tout ce qui est en lien avec les plaisirs, avec l'amour, vous voyez, l'amitié, la famille. Ce qui compte pour vous là, c'est vraiment le finance, le matériel et le professionnel. Allez, c'est parti. On a une carte pour les Capricornes. Voilà. Alors, nous avons le labyrinthe qui est sorti, la carte numéro 8. Vous voyez, le 8, c'est encore l'énergie de réalisation, de réussite, de bâtir. Vous voyez, c'est ça, le chiffre numéro 8. Alors, cette carte vous dit, même si la voie n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider. Allez, on va aller regarder maintenant ce que le petit message. Allez, la carte numéro 8. On va aller voir en même temps, comme ça, on va comprendre si cette situation, c'est à tort ou à raison. Alors, on parle de croyances compromettantes. On dit sortir du droit chemin, se perdre. Oh, ouais. C'est plutôt à tort, là. Hein, Capricorne. Allez, on y va. Votre moi supérieur a choisi cette carte car la vie est un labyrinthe et il faut effectuer des choix en permanence. Il nous mène à la liberté en passant par des sentiments de joie, de succès, d'amour et de soutien ou aboutissent à des états de blocage, de stagnation, de confusion et d'égarement. Le prochain choix est pile ou face, qui nous rapproche de notre but ou nous éloigne un peu plus.
Comme dans un labyrinthe, on ne dispose pas de plan pour repérer le parcours avant d'y entrer. Mais notre esprit est un guide qui sait quel chemin prendre et quand faire demi-tour. Il vous parle à travers vos croyances, vos émotions et à présent à travers cette carte, vous indiquant que vous devriez changer de direction. Si vous vous posez des questions quant à un choix futur, tirer cette carte est un non. Définitif. Envisagez une autre voie. Le labyrinthe vous invite à retourner sur vos pas et à recommencer. Quelles sont vos valeurs et vos croyances intrinsèques? Qu'espérez-vous de cette situation? Qui voulez-vous devenir? Quand vous aurez délaissé votre vision de la vie en poursuivant des buts et des attentes qui ne vous appartiennent pas? Non, c'est une question. J'avais pas la fin de la phrase. Quand avez-vous délaissé votre vision de la vie en poursuivant des buts et des attentes qui ne vous appartiennent pas? Le labyrinthe délivre un dernier message. Il y a plus d'une façon d'atteindre un objectif. Le chemin que vous empruntez actuellement n'est peut-être pas le bon. Il en existe un qui pourrait mieux vous convenir. Pour le trouver, prenez le temps de découvrir qui vous êtes vraiment et qui vous êtes en train de devenir. Votre âme sait quelle voie vous mènera à la destination. Bon, les amis, ben voilà. Là, on a la réponse, c'est clairement à tort, hein. En fait. Hein, on ne peut pas, là, de ce qu'on dit, là, vous êtes trop cartésien. Vous êtes vraiment dans un but de richesse, de réussite, de projet, de... Enfin, voilà. Mais en même temps, vous êtes complètement déconnecté de votre spiritualité, de votre but spirituel, de votre mission de vie. Alors, finalement, pour certains, j'ai un petit truc qui me vient, mais après, à vous de voir. Est-ce que vous êtes, par exemple, un peu des thérapeutes d'une manière ou d'une autre? Et finalement, vous ne faites plus ce métier pour aider l'autre, mais plutôt pour enrichir votre compte en banque, ça peut être le cas. Est-ce que vous vous détournez justement de tout ce qui est sentiment d'amour, émotion et compagnie, et tout ce qui vous importe dans la vie maintenant, c'est réussir? Ça, c'est possible aussi. Hein, mais là, on vous dit, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, pour redevenir cette personne spirituelle, bonne, bienveillante que vous étiez, hein, dans tous les cas, vous allez quand même obtenir ce que vous désirez au niveau financier, matériel. Hein. Mais là, comme ça, ça semble pas très bon. Hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est le message. Comme vous le savez, mes guidances sont totalement sans complaisance parce que je respecte les guides et j'ai peur du karma, surtout. Donc, je suis obligée de dire ce que je vois. Hein. Allez, de toute manière, on va obtenir plus d'infos. Ça va s'éclairer tout doucement, tranquillement. Allez, on y va. On va commencer par une coupe, les Capricornes. Deux de bâtons. Vous êtes sorti d'une forme de zone de confort. Vous êtes sorti de quelque chose pour aller vers quelque chose de pas beau, en fait, de ce que l'on voit, de pas bon du tout. Allez, la coupe, deux d'épée. Ok, vous refusez d'ouvrir les yeux. 4 de denier. Vous refusez d'ouvrir les yeux, Capricorne, de ce que l'on dit. Et avec le 4 de denier, vous refusez de comprendre que vous êtes devenu... Le 4 de denier, c'est l'avare, hein, du tarot. Hein. C'est celui qui se remplit les poches. Hein. C'est celui qui donne rien, qui garde tout pour lui. Hein. Donc, et là, il y a une forme de déni là, avec le 2 d'épée. Hein. C'est-à-dire que vous refusez de voir la réalité ou bien vous ne la voyez pas du tout. Hein, que finalement... Ce 4 de denier, vous encaissez, et que c'est ce qui compte, c'est uniquement ce qui compte, ou soit peut-être que vous êtes devenu égoïste. Bien sûr, il y a des raisons, hein. Ça, voilà, mais il faut savoir aussi se remettre en question. Allez, on va voir ça. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va poser les 8 cartes. Hop, c'est parti. Alors, l'empereur. Vous êtes très connecté avec le bélier. Parce que là, l'énergie de cette pleine lune, là, hein, c'est bélier. Et ça, c'est la carte des béliers. C'est l'empereur, pardon. C'est la carte des béliers. 3 d'épée. La roue de fortune.
le soleil, le chakra de la gorge, le pendu, le 8 d'épée et l'ermite. En dos du paquet, on a un 5 d'épée. Ouais, ce que vous voulez, c'est gagner. Vous voulez gagner, vous vous battez pour quelque chose. Mais voilà ce que vous mettez de côté, 4 d'épée, l'impératrice. Vous mettez de côté déjà le soin de vous-même. Et en plus, un côté amour, bienveillant, compatissant, altruiste. Vous mettez de côté de ça, mais vous vous battez. Vous avez une cause, vous avez un but. Hein, vous vous battez pour cette situation, mais on peut se battre pour une situation et en même temps garder le cœur ouvert. Là, j'ai l'impression que vous, votre cœur, il est complètement fermé. Vous avez un seul but, c'est gagner, mais c'est aussi réussir, bâtir, construire, se réaliser. Ouais. Bon, on va voir ça. De toute manière, les amis, vous avez Pluton qui est revenu. Hein. Si Pluton, la planète de la transformation, qui est restée 12 ou 20 ans, je crois que même c'est 20 ans dans votre signe, est revenu en rétrograde, c'est parce qu'il n'a pas fini son travail. Hein. Donc là, je crois que ça dure 2-3 mois. Enfin, c'est jusqu'au 20 novembre. Après, il retourne chez les Verseaux. Là, y a quelque chose à terminer hein, encore. Hein. Pluton vient un petit peu vous secouer. Bon. Alors, l'énergie de cette pleine lune. Alors déjà, on va regarder ce qu'on a, parce qu'on a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Oh là là, on n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, on n'a pas de denier. On a des arcanes majeures, des épées et le chakra de la gorge. Donc l'empereur, la roue de fortune, le soleil, le pendu. Bon, ben voilà, à force de contrôler, parce que c'est votre énergie, hein, là, vous contrôlez tout, et vos émotions et la situation, vous contrôlez tout. À force de contrôler, vous vous dirigez non pas vers la lumière, en fait, vous bloquez finalement avec le pendu. Eh, on a l'ermite ici. Vous bloquez finalement votre réussite, vous bloquez émotionnellement, parce que je pense qu'il y a une souffrance derrière ça. Même vous, peut-être que vous dites, putain, mais j'ai changé, c'est pas possible, on dirait que j'ai plus de cœur. Hein? Mais il y a des raisons aussi qui vous ont fait devenir comme ça. Mais vous bloquez tout. En fait, finalement, vous bloquez votre propre abondance en étant comme ça, très rigide, comme l'empereur, hein, beaucoup dans le contrôle. Vous bloquez. Mais là, il va falloir un petit temps de réflexion. Là, hein. Là, on est dans les cartes d'évolution. Hein. Donc, effectivement, vous allez réfléchir sur ce blocage. Mais là, je pense que pendant cette pleine lune, vous êtes quand même déterminé à rester dans cette énergie. Mais ce n'est pas la bonne voie, en fait. Ce n'est pas la bonne voie. Alors, voilà, l'énergie de cette pleine lune, ben voilà, c'est l'empereur. Donc, vous êtes très, très, très connecté au bélier. Et bélier, c'est l'action, c'est l'impulsivité, hein, c'est l'énergie, l'endurance, la force physique, le contrôle, la volonté, la détermination, la rigidité. Voilà, vous êtes comme ça. Vous avez un but, vous êtes rigide, en fait. Il n'y a pas de cœur, c'est trop carré. 4, la carte 4. Vous êtes rigide pendant cette période. En plus, avec l'énergie du bélier, Capricorne, bélier, deux bêtes à cornes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de... Ouais, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du 4 de denier. Quand je vous disais que c'est l'avare dans le tarot, il garde tout. Regardez, là, on a une belle illustration. Regardez son portefeuille, comment elle le tient entre ses mains. Hein, elle ne veut pas perdre ses deniers. Et elle ne donne rien à personne. Mais c'est ça, l'énergie. C'est que vous allez être comme ça, en fait. Et que c'est peut-être même déjà le cas. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. À vous d'être objectif. Hein. Si c'est le cas, à vous de vous remettre en question. Si ce n'est pas le cas, cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde. Mais même si elle s'adresse à 2, 3, 10 personnes, 20 personnes, 50, peu importe, tant que ça aide ces personnes, c'est tout ce qui compte. Là, l'idée, ce n'est pas de critiquer qui que ce soit ou de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est de faire comprendre qu'à un moment donné, on est dans le mauvais chemin pour justement reprendre le bon chemin. Parce que vous pensez qu'après ça, il n'y aura pas des conséquences. Voilà, c'est une guidance, ça prévient, ça veut dire attention Capricorne, si tu es dans cette énergie, change tout de suite avant que ce soit trop tard. C'est juste ça. Donc je vois déjà venir les commentaires.
malheureusement, vous serez bloqué, quoi. Hein? Parce que faut savoir une chose, c'est que moi, j'interprète, je suis un support. Hein? Les messages ne viennent pas de moi. Ok? Donc voilà, soit vous prenez le message et ça vous aide, ça vous fait du bien, et tant mieux, j'en suis très contente pour vous, puisque c'est le guide de la guidance des dés. Si vraiment ça ne vous parle pas, ben, ne prenez pas en compte. Si demain ça vous parle, revenez sur cette guidance, peut-être que vous allez pouvoir obtenir de l'aide, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, basta, c'est tout. Mais les énergies sont là, donc logiquement, ça ne devrait pas parler qu'à un ou deux Capricornes. Parce que quand c'est positif, là, bizarrement, ça parle à tout le monde. Hein. Mais quand c'est un peu, ça l'est un peu moins, ah, ça parle pas. Or que c'est une guidance. C'est pas, on n'a pas des prédictions. Là, on vous dit attention. Si tu sens que tu vas être comme ça, change tout de suite. Bon, voilà. Et je pense que tout ça, c'est dû à une déception, en fait. Je pense que vous avez eu une déception récemment et que là, vous êtes en mode hyper rigide. Je garde tout, je prends tout, je donne rien, je montre rien. Il y a un peu ça. Après, à vous d'adapter dans quel domaine, bien évidemment. Hein. Mais il y a eu une déception, effectivement, qui vous a rendu comme ça. Donc oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Mais est-ce que vous avez besoin d'être comme ça? Parce qu'au final, c'est qui souffre en étant comme ça? C'est vous. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on avait le 2 d'épée qui parlait de déni. Donc, vous croyez ne pas souffrir, sauf que si, parce que vous êtes complètement déconnecté finalement de votre âme. Et l'âme, c'est la gentillesse en question. C'est le Dieu qu'on a tous en nous. On a un Dieu, on a un diable en nous. Hein. C'est le Dieu qu'on a tous en nous. Et à un moment donné, ça vous pètera à la figure, quoi. Ça vous pètera la figure, ça, et ça vous fera plonger dans une nuit noire de l'âme avec beaucoup de regrets, de culpabilité. Hein. Il faut pardonner dans la vie, peu importe ce qu'on vous a fait. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre la relation, la situation, voilà, remettre de l'énergie. Pas du tout. Au contraire, on vous a fait un coup une fois. Dites-vous bien que si vous pardonnez en vous réconciliant avec la personne, vous lui permettez de vous trahir à nouveau. Mais c'est pardonner pour soi, afin de se libérer justement de toute cette colère, de cette rancœur, de toutes ces énergies négatives qui nous rendent mal. Nous et pas l'autre. Après, j'ai une autre possibilité. Ou bien vous avez déçu quelqu'un. Et des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Quand on fait une erreur, on déçoit quelqu'un, on ne sait pas comment revenir en arrière. Donc, on continue vraiment, on garde pour nous, on est rigide, on reste dans notre coin. Vous voyez, il y a un peu ça. Pourquoi pas? Bon, votre challenge défi, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça va commencer à faire mal. Hein, ça va commencer à faire mal. Il y a de la tristesse derrière ça. Voilà, le valet de coupe. C'est vraiment de lâcher prise sur cette tristesse. Hein, de lâcher cette tristesse. Encore une fois, le valet de coupe, c'est vraiment l'enfant intérieur. Hein, et votre enfant intérieur, vous allez le sentir souffrant. Parce qu'en fait, là, vous essayez d'être... qui vous n'êtes pas à cause d'une souffrance ressentie récemment ou peut-être à cause du fait que vous avez souffert quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Parce que nous, tout être humain, on est foncièrement bon dans le fond. Peu importe le signe astro, peu importe le vécu, peu importe. Mais il y a des fois où ben, on fait des mauvais choix, malheureusement. Et on en paiera les conséquences, ça c'est sûr, un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, le karma, il est très rapide, hein, il n'est pas du tout long. Donc, faut pas croire que si on fait du mal là, on paiera dans 10, 20 ans. Non, pas du tout. Et puis, si on paye pas là, on paiera dans une autre vie, hein, clairement. Et puis, mais dans le fond, l'enfant intérieur de tout le monde, ça reste un enfant. Hein. Et les enfants, après, ça dépend à quel âge. Et, hein, c'est vrai, des enfants qui sont un peu vicieux à partir d'un certain âge, mais l'enfant en soi, du moins, on va dire, allez, le bébé. Voilà, on ne va pas parler d'enfants à partir de 3 ans ou quoi, où ils connaissent commencent à comprendre le vice. Hein. Mais le bébé, hein, le bébé en lui-même, c'est pur, c'est comme les animaux, vous voyez. Donc c'est ça en fait, et votre enfant intérieur souffre. Donc on ne veut pas en fait être comme ça. Votre âme aussi souffre, ne veut pas être comme ça. Être rigide, être dans votre coin, de garder tout pour vous, de rien donner à personne. De, voyez, tout le monde est un peu généreux à sa manière. Après, il y a plus ou moins, et puis il y a les blessures, enfin voilà. Bon, votre challenge, c'est ça, c'est de guérir votre enfant intérieur, parce qu'on a l'enfant intérieur ici qui souffre. Et ce que vous désirez, en plus, Capricorne, regardez, on a la roue de fortune, vous voulez changer. Donc, pour certains, ça fait un moment que vous êtes bloqué dans cette énergie. Hein? Vous êtes bloqué dans cette énergie et vous voulez changer, mais vous n'y arrivez pas, tout simplement. Hein? Bon.
Ouais, vous voulez devenir un roi de coupe. Regardez, on a le diable. C'est votre carte, le diable, hein, les Capricornes. Hein. Mais en réalité, dans ce cas de figure, le diable, votre diable à vous, c'est la famille. C'est familial. Hein. Soit c'est familial, vous avez eu une famille très, très, une enfance très compliquée, ou soit c'est peut-être une relation, une personne avec qui vous avez eu des enfants, vous voyez? Peut-être que ça a été une relation toxique, il y a quelque chose comme ça. Mais là, si on va partir, si on parle que ce n'est pas, parce que je vous avais parlé d'argent et tout, de biens matériels, parce que on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais peut-être pas. Peut-être que c'est juste le côté où je donne rien. Ni d'amour, ni de gestes tendres, ni rien du tout. Je pense à moi. Et là, vous êtes déconnecté justement, vous voyez, de votre âme que je vous dis, on a tous une âme foncièrement bonne, quoi. Bon, adapté. On continue. Le conseil, c'est le soleil. Alors le soleil, ben, le conseil, c'est d'être optimiste, de changer votre vision, votre perception, de vous ouvrir justement si vous-même vous avez conscience que vous avez ce blocage et que il vous fait souffrir, mais que vous n'y arrivez pas à vous débloquer, eh ben faites un pas, faites quelque chose. C'est ça le soleil. Ouvrez-vous, montrez-vous. Voyez, vous pouvez le débloquer. C'est votre mental qui vous dit, mais non, c'est bloqué, tu n'y arriveras jamais. Vous pouvez, voyez. Pour certains, il y a un gros problème avec la maman, là. Pour certains, il y a un gros problème avec la maman. Et là, l'idée, ça va être aussi de... Le conseil, c'est de régler quelque chose avec la maman. Parce que le problème vient de là, finalement. Hein? Sinon, pour un autre conseil, c'est aussi de vous ouvrir, hein, et de prendre soin de vous. Vous pouvez être votre propre impératrice, de prendre soin de vous, en fait de vous faire violence finalement, de vous faire violence. Commencez peut-être si vous êtes vraiment bloqué vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'autrui, commencez peut-être par faire plaisir, faire des petites choses comme ça qui vous font du bien, qui vous font plaisir et progressivement vous allez vous ouvrir à une nouvelle énergie. Et aux gens à l'extérieur aussi, pourquoi pas. Prochaine étape, on a le chakra de la gorge. Et bien, le chakra de la gorge, vous avez des choses à dire. Hein. Vous allez pouvoir exprimer. Vous allez pouvoir parler. Trois de coupe. À un ami, une amie. Hein. Vous avez des choses à dire. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de discuter avec un ami, une amie. Et que va-t-il se passer là? À 10 de coupe, vous allez vous sentir aimé. Vous voyez? Ah, peut-être que vous allez discuter du fait que vous êtes amoureux de quelqu'un, mais que vous avez fait du mal à cette personne. Hein, c'est possible. C'est possible que vous avez trahi, fui cette personne, vous allez pouvoir discuter, vous livrer à un ami, une amie, ou soit, alors, trois de coupe, si ce n'est pas amitié, c'est un frère ou une sœur, vous voyez, que vous êtes amoureux de quelqu'un, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, très amoureux, mais que vous ne savez pas comment faire parce que vous avez fait du mal à cette personne. Pourquoi pas, c'est possible. Ou au contraire, discuter, vous livrer, parce que c'est important aussi de parler, de libérer la parole pour déjà commencer à s'apaiser. Vous livrer à quelqu'un et d'exprimer tout ce que vous avez ressenti comme en termes de trahison et d'abandon, alors que vous étiez très amoureux d'une personne. Hein? Le fait de parler, ça va vous aider. La surprise, on a le pendu, magnifique. Vous allez changer votre regard. Votre perception de tout ça, de vous-même, de la situation, vous voyez? Vous allez changer votre regard. Ah, mais là, on a encore une fois la famille, hein, ici. 3 d'épée, le fou, et vous allez vous libérer finalement en changeant votre regard, peut-être parce que vous allez être conseillé, vous allez comprendre tout ça, vous allez vous libérer de cette souffrance familiale. Hein. Je ne sais pas si ça a été un décès qu'il y a eu dans votre famille, mais c'est cette communication-là qui va vous aider. Hein. C'est cette communication, vraiment. Hein. Qui va vous aider à vous libérer. Alors peut-être que ce n'est pas un ami, une amie, mais peut-être que c'est un psychologue, un thérapeute d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Je pense que vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive émotionnellement, mais aussi de parler, c'est hyper important. Bon, et l'évolution, bah, c'est super parce qu'on a quand même le 8 d'épée ici, qui nous parle du blocage dans lequel vous êtes. Le 8 d'épée, c'est vraiment, je vais vous montrer l'illustration ici, c'est vraiment, je suis bloquée dans l'incapacité de bouger, de parler, d'avancer. Je suis pieds et poings liés, mais complètement quoi. Alors, on va aller chercher le 8 d'épée. Déjà, l'ermite, on va le mettre là parce que c'est l'ermite. Hop, ok, ça doit être là. Alors, où tu es le 8 d'épée? On l'a pas posé là, non? Ouais, il est là le 8 d'épée. Bah, vous voyez? Ah, c'est vraiment un blocage, hein.
Hein, ce personnage est là, mais se voit comme ça. Donc c'est même un déni, en fait. Vous voyez? Il se voit bloqué, complètement enchaîné, enlisé dans le miroir. Déjà, il est dans un nid, donc il est déjà enfermé lui-même. Mais en réalité, la façon dont il se voit, c'est pas la façon, c'est pas réel en fait. Voyez? Donc le 8 d'épée, c'est ça, c'est que finalement, vous allez voir, grâce à cette communication, vous allez voir les choses différemment. Hein? Et l'ermite, ben, vous allez prendre un petit temps d'introspection, vous voyez, pour réfléchir seul avec vous-même. Hein? Seul avec vous-même, il y a vraiment besoin d'un temps de guérison, d'un temps de recentrage, Capricorne, parce que vous avez changé. Hein. Vous avez changé parce que soit vous avez fait du mal à quelqu'un, ou soit on vous a fait du mal, et depuis c'est comme si vous êtes devenu quelqu'un, voilà, de très 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 fermé, mais très 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 fermé, complètement bloqué dans l'incapacité de changer, voilà, de perception. Et puis j'ai l'impression que c'est un combat en vous-même. Vous voyez les Capricornes? Bon, après avoir, hein, c'est quoi qui vous a. Mais il y a aussi quelque chose en lien avec la famille. Mais tout ça, il faut le sortir. Tout ça, il faut parler, Capricorne. C'est important. Il faut parler, il faut dire la vérité. Pas forcément aux personnes en question ou à la famille, mais à un ami, peu importe. Allez, on va voir au niveau sentimental. C'est fort, hein, votre histoire là. On sent qu'il y a un traumatisme derrière. Hein. Laissez une chance à votre relation. Vous allez laisser une chance à cette relation. Mais aimez-vous d'abord, c'est ça. Vous êtes accompagné de l'amour véritable, hein, les Capricornes. Hein. Mais pour pouvoir laisser une chance à cette relation, il faut déjà vous aimer. Et comment s'aimer quand on n'a pas été aimé? Hein, ni par les ex, ni par quelqu'un avec qui on a été marié, avec qui on a eu des enfants, ni par la famille, la maman, peu importe. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, hein, sur ça. Mais c'est pas énorme, c'est communiquer. C'est qu'il y a des, il y a, il faut tout sortir là. Et voilà ce que Pluton vient faire, hein, pour vous. Donc c'est super. Allez, un message de l'autre. L'autre vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, on a quelqu'un qui a conscience que c'est très fort. Hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, et que de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Vous voyez, on a quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Allez, on termine avec cet oracle. Donc c'est le petit oracle de magie grimoire. Et nous avons la coriandre pour vous. La coriandre, c'est le désir même. Vous êtes même coupé de votre désir. Vous êtes coupé en fait de toute émotion positive, de vie, quoi, finalement, les Capricornes. Alors, donc, on a Mars, vous voyez, on a la couleur rouge ici, hein. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps endormis sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée. Désir. À corps perdu, communier. Donc j'ai l'impression que tout ça, c'est en fait, il y a une relation là, vous êtes complètement bloqué face à quelqu'un que vous aimez et que l'autre vous aime aussi, parce que vous ne vous aimez pas, j'ai l'impression, et parce que peut-être que vous n'avez pas souvent été aimé, ou bien vous ne savez pas aimer la personne en question, donc vous êtes comme complètement bloqué, alors qu'en réalité, vous voulez tout le contraire, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ouais, donc vous êtes déconnecté de votre mission de vie qui peut être en lien avec cette personne, même si j'ai pas eu la carte des amoureux et le 2 de coupe, hein. Et puis voilà, vous pensez que voilà, à garder tout pour vous ou à vous enrichir de l'argent, du travail, des biens matériels. Au moins ça vous fait du bien. L'amour, ça vous fait souffrir. Mais le labyrinthe, attention, on n'est pas dans le bon chemin. Bon, Capricorne, en tout cas, si vous êtes resté jusque-là, c'est que cette guidance vous a certainement aidé. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Et si vous voulez qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre en profondeur ce qui se passe, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas à me demander les infos et suivez-moi sur Instagram. Je vous embrasse. Bye!